Ah ha. Je suis né dans une famille griot. Uh-huh. He was born in a family of griots. Et quand je suis né, mon père et ma mère faisaient la musique. Yeah, so his dad and his mom were already playing when he was born. J'ai commencé à accompagner mes parents à 7 ans. And he started accompanying his parents when he was 7. Avec le tama. With the tama, which is a talking drum, right? Et après, j'ai appris le ngoni. Afterwards, he learned the ngoni, which c'est is a small guitar, traditionnelle, traditional Malian guitar. Et après, c'est parti. J'ai toujours, dans ma famille, on fait pas d'autre travail, on fait que la musique. Uh-huh. Depuis le siècle. That's interesting. In his family, there's not even a question. That's what they do. They play music, and that's like this. Yeah. It's like this between since like. Toutes les expériences que j'ai comme musique, j'ai appris tout dans ma famille. And everything he knows, he learned it in his family. Comprendre la valeur des collaborations, comprendre les, comment on dit, la création de les bandes, comprendre les valeurs de jouer ensemble, tout ça, j'ai appris à la maison parce que ma famille, il y a toujours la musique. Okay. He learned in his family the importance of. To collaborate with other musicians, to create new things and all that, everything, he learned everything inside his family. Bon, c'est très facile. Je suis né dans une grande famille griot, que j'ai appris tout dans ma famille. Mon père jouait, mon grand-père jouait, ma grand-mère chantait, ma mère chantait. Et donc pour moi la musique c'est un dans la chance et que la musique c'était un cadeau de la nature, que la nature nous offert la musique à condition que nous cet offert on doit partager avec le public, ça veut dire et que cet message que nous on reçoit vraiment naturellement, que on sent l'amour de la culture et de la musique et respect de la musique et la culture, et ça doit être comme un symbole et qu'on fait voir à le monde que les arts et la culture c'est comme j'ai considéré comme un symbole de la paix, et c'est pour cela on est là aujourd'hui pour le projet avec Bara. Et Bara c'est un projet qui est créé comme les frères, comme les amis, comme trois amoureux. On s'est amoureux de chacun, ce que chacun fait musicalement, culturellement et humainement. Et donc, pour moi, la musique, c'est le symbole de la paix. Voilà. Traduire. Oui, oui. Ah oui, tu dois faire traduction. Ok. Oui, c'est très simple pour lui de répondre à cette question parce que. Bien sûr, et bien sûr, ma famille qui m'a donné tout ça. Et encore, mon père, il n'est plus, il existe plus, mais ma mère, elle chante. J'ai fait 2 albums avec ma mère. Okay, so like even today, his dad isn't alive anymore, but his mom is still there and she still sings, and he made 2 records with his mom. J'ai fait aussi un album avec ma mère, avec ma fille, 3 générations. He made a record with his mom and his daughter, like 3 generations. Parce que la musique pour moi c'est une chose très vraie qui reste seule. La musique. Seule dans quel sens? Seule, ça veut dire les seuls vrais, les choses qui vont rester encore vraies dans le monde, c'est la musique. Okay. Because for him, music is like the one true thing in the world. Like if everything disappears, music will still be the truth. Tu peux dire ça, cette musique, ça me plaît pas, mais tu peux pas dire que c'est pas la musique. Toute la musique, c'est la musique. Music will still be the truth. Tu peux dire ça, cette musique, ça me plaît pas, mais tu peux pas dire que c'est pas la musique. Toute la musique, c'est la musique.